Salut mes petites grenades, ici Brittany. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai, ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait, mais voyez-vous, ces deux petites dernières semaines là, enfin vous vous en rendrez pas compte, mais moi en tout cas ces deux dernières semaines j'ai été relativement occupée, donc j'ai pas pu vous préparer de vidéo, voilà. Et tout de suite on va aller pour ce qui sera notre nouvel épisode de Strangerville. Allez hop hop hop. Alors avant toute chose, j'aimerais bien aller voir cette fameuse mise à jour des couleurs de peau dans le Créer un Sim. Oh, c'est trop bien! Alors lui, sa couleur, c'est ça. Ok, et donc là... Ah non, plus foncé, Morgane. Oh, on est pas mal, attendez, regardez. Si je le mets au milieu, ça fait ça. Oh, c'est stylé! J'ai modifié un petit peu la couleur de peau de Morgane. Je pense qu'il n'y a pas pour les yeux. Hein. Non, les yeux, c'est toujours les couleurs comme ça, ok. Oh, il est joli comme ça, regardez. Incroyable! Il a des beaux yeux qui ressortent, du coup. Je peux lui mettre des yeux plus foncés aussi. Ah, je me demande si ça lui irait pas mieux, je ne sais pas. Bah Morgane, tu es magnifique, hein. On va partir avec ces petites modifications légères. Et on va partir en jeu dès maintenant. Allez. Ouh là là, les gars. Le mystère de Strangerville, là, je crois que je suis pas tout à fait prête à reprendre. Parce qu'en fait, je vous explique. Mon frère, qui joue donc sur mon jeu à moi récemment, je lui ai délégué une partie, du coup il a pas continué les aventures de Morgane, il a fait sa propre partie. Et il a joué à Strangerville et il l'a fini en un soir, quoi. Alors que moi, ça fait des semaines que je suis dessus. Et du coup, il a tout fait. Il a fait la plante mère, là. Enfin, oui, vous savez, la fameuse mère et compagnie, là. Alors que moi, bah j'en suis à peine à l'étape 2, je crois. Alors, j'ai mes deux chats qui sont dans ma chambre. Il faut savoir, il y en a un qui est sur mon lit, l'autre qui fait je sais pas trop quoi. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Quoi? Non, Vlad, non. Mais qu'est-ce que quoi? Non, Vlad, pourquoi tu fais ça? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais Vladislaus! Mais il va nous boire notre plasma? Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? Mais... Non, mais à peine je commence à jouer? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Attends, on se moque de moi, là. Hébété, hypnotisé, en pleine forme, ah, d'accord. Ah, il a toujours ses souvenirs du crac-crac avec Marc. Mais quoi? Il ne pourrait pas voir. Je ne transformerai pas Morgane, mais son plasma est si délicieux. Non, Vladislaus, non, s'il te plaît. Qu'il me faudrait beaucoup d'ail pour me tenir à distance la prochaine fois. Je reviendrai à ma prochaine fringale nocturne. Alors déjà, de 1, il nous boit notre plasma sans nous demander notre avis. Et de 2, mais regardez-le. Mais c'est excellent. Mais Vlad. Mais Vlad. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Morgane, non, 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 non. Oh non, les amis, ça commence mal cet épisode. Hein. Quoi? Mais qu'est-ce que... Avouez sa peur des humains. Regardez, il y a deux possédés qui vont discuter ensemble. Pauvre colonel, on n'a même pas eu le temps de lui donner son petit bol de croquettes du matin. On est déjà possédés. Oh non. Mais il nous prend... Ah, mais il est plus possédé, Vlad. Ah si. Ah si, il est carrément possédé. Mais qu'est-ce que... Mais ça commence très mal. Ça commence extrêmement mal cet épisode, mais qui... Mais je comprends pas. Mais putain, déjà Vladislaus, à peine je commence à jouer, il vient nous boire notre plasma. Non mais ça va pas bien. Ah, il part chez lui, bon bah au moins il part tout seul. Oh, oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que... Regardez dans le vide. Mais non, Morgane, mais t'es sérieux? Ah mais là il peut pas cliquer non plus, là il peut juste s'asseoir. Ah oh, mais il peut rien faire, il est où le chien? Colonel! Oh, colonel, le pauvre, on peut rien faire pour l'aider. Mais non, mais les gars, mais c'est pas possible. La mère appelle et je dois répondre. Mais non, mais Morgane! Mais ne cède pas encore à la mère! Putain, elle commence à me casser les couilles, cette mère! Cette merde là! Mais qu'est-ce. Mais Morgane! Oh mon dieu, mais regardez-moi! Morgane! Morgane, reviens parmi nous! Tu vas vraiment faire ça pendant 3 heures? Mais t'es sérieux? 2 heures, plus que 2 heures. Oh là
là là, faut vraiment qu'on trouve un vaccin contre ce truc, c'est pas possible. Oh, on peut rien faire tant qu'on est encore possédé. Non mais sérieux. J'aurais jamais dû manger ce fruit, hein. Je vous assure, j'aurais jamais dû. Ce qu'on fera, bah, c'est qu'on ira nourrir le chien, là, et puis on ira chercher des amas de sport. Oh, mais il devient possédé comme ça, de manière random. J'aimerais bloquer la porte pour les vampires. Il a trouvé mon plasma délicieux, apparemment, mais est-ce que si je bloque la porte pour les vampires, ça va l'empêcher de rentrer ou pas, vous pensez? Bon, Momo, c'est bon? Courage. Ah, ça y est. Bon, alors ce qu'on va faire sans ça... Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Oh là là, t'es... Mais regardez. Non mais, on est envahis. Ils sont partout. Faut vraiment qu'on trouve un remède ou un truc. Hein. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller par ici, moi, je pense. Ah, une roche calcaire. Extrait un fossile. Un fossile de bras de tyrannosaure ridiculement petit, c'est marrant. Non, venez, on le garde pour l'instant. Et on va scanner ici. Allez. J'espère qu'on pourra trouver un amas de sport, parce que ça marche pas à chaque fois, hein, vous avez remarqué. Mais je pense que si on scanne à côté des plantes, regardez, dans un endroit où il y a plein de sports qui volent, on va forcément en avoir. Ah, c'est très très bizarre, hein. Ce let's play est vraiment très chelou, j'aime beaucoup, hein. Mais c'est quand même un peu inquiétant, hein, je vais pas vous cacher que ça m'inquiète un peu tout ça. Alors, les gars, on est dans la merde. J'ai pas trouvé de... Mais il y a plein de sports ici! Ah non, je sais, je vais aller au laboratoire. Bah oui, je vais aller scanner directement au laboratoire. Est-ce qu'on prend Colonel avec nous? Oui, allez, on va le prendre. On va prendre Colonel, parce que l'épisode dernier, je l'avais pas emmené avec moi. Là, j'ai bien envie de l'emmener. Étant donné qu'on peut pas encore accéder à la partie souterraine du laboratoire, parce que vous vous souvenez, il y a une pièce avec plein de spores. Mais est-ce que vous pensez que si on va directement vers cette pièce, si on scanne près de cette pièce, est-ce qu'on va trouver des amas de spores? Est-ce que... Pourquoi c'est bloqué ici? Pourquoi c'est tout bloqué, ça? What? Mais pourquoi c'est bloqué? J'espère que tu vas trouver, là, des amas de spores, hein. Surtout que ce truc, il perd de la batterie. Ah, ça y est. Oh, il y en a deux, 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 il y en a trois. Oh. Je savais même pas qu'on pouvait en avoir plusieurs à la fois. Oh, il y en a quatre. Il y en a cinq. Oh, trop bien. Trois, quatre, cinq. Oh, ça nous avance bien. C'est bien, ça. Six. Ah bah, ça marche, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va finir avec celui-ci. Oh, scanner près d'une plante au laboratoire. Allez, on va rescanner. Tant qu'on a encore un peu de batterie, on va essayer de s'avancer le plus possible. Ah, il est mal à l'aise à cause de ce connard de Vladislaus. Alors, on en a 10 sur 15. Oh là là, on en a 12. 12. Le nombre symbolique. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Là, je pense que si on scanne encore une fois, on en aura assez. Oh, on peut encore scanner, il a assez de batterie. Trop bien. Oh. Ah, mais c'est bon là, les gars, on va les avoir nos spores. Hein. Ah, c'est moins dur que ce... Regardez là, déjà 13. Ah, c'est bon, non, c'est bon, cette fois, on va le faire. 13, 14 et 15. Bon, si jamais il y en a d'autres, on les ramassera quand même. Hein. Ouh, il y en a 5. En fait, il y en a 5 à chaque fois qui apparaissent. Alors, 13, 14 et 15. Allez, on a 15 amas de sport. Bon, on en récupère un peu plus au cas où. Eh, bah, moi qui pensais que cet épisode, qu'il allait rien se passer, bah, finalement, ça va. Hein. On va être un petit peu apaisé. Voilà, on va être... Il est encore très tôt, hein. Il est 7h du matin. Il y a moyen... peut-être qu'on finira pas le mystère aujourd'hui, mais... Je vous avais dit, je savais que ce let's play serait relativement court. Regardez, là, on avance pas mal. On en est à 2 sur 4. Ah non, il nous reste pas mal de trucs à faire, en vrai. Ça va pas prendre que 3 épisodes. Je pense que ça sera peut-être 5 ou 6 épisodes. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait... En vrai, 4 ou 5 épisodes. 4 ou 5. Parce que si on fait une étape d'aspiration par épisode, ça fait 4 épisodes, en soi. Voire 5. Puisqu'il y avait l'étape 0 sur 4 aussi, qu'on a faite dans un épisode à part entière, voilà. Le premier, il me semble. Comment on fait pour assembler la combinaison de protection? Ah, il faut poser des questions. Et du coup, là, c'est normal que ce soit tout bloqué? Ça doit être normal, ça doit faire partie du truc. Ah, écoutez, on va rentrer, on va rentrer. Le chien, il rentrera avec nous. J'aurais peut-être dû l'envoyer à la maison avant. J'aime pas trop le fait qu'il reste tout seul ici, hein. Voilà, il est avec nous, colonel. Alors, ce que je voulais faire... Oh non, ça y est, la plante qu'on a plantée l'autre fois, vous savez, la première fois qu'on était possédé, ça y est, elle a poussé. Putain, fait chier. Alors, je voulais faire... Verrouiller la porte pour... ne pas autoriser les vampires, voilà. Trouver une combinaison de protection et un filtre à spores, puis associez-les dans votre inventaire. Posez des questions sur les spores à un scientifique à la bibliothèque locale et au propriétaire de la boutique de curiosité. On va commencer par le propriétaire de la boutique de curiosité. Parce qu'il est plus près, en fait. Parfait, il est là. Alors, tu sais quoi, comme je suis très flemmarde de Momo, je vais te faire te téléporter. J'ai entendu dire que tu fréquentais Marc. Félicitations pour ton nouveau petit ami. Oh, c'est gentil, Romain. Merci. Il est au courant qu'on sort avec Marc. Poser des questions sur les spores. Voilà, on va lui poser des questions à lui. Mais c'est dommage qu'on puisse pas déplacer cette barre ici. La barre de la Xbox pour filmer, là. Comme ça, je pourrais voir les notifications et je serais pas obligée de... Enfin, je galérerais pas à les lire, quoi. Et je sais pas comment faire.
Si vous avez des suggestions, peut-être, voilà. J'ai quelques... Oh, mais Morgane, arrête! Mais reste ici, voyons! J'ai quelques combinaisons de protection dans mon inventaire secret. Je doute qu'elles soient très utiles sans filtre à spores, mais je suis prêt à vous les vendre si elles vous intéressent quand même. Bah, du coup, on peut pas les... Ah, inventaire secret, c'est ça? Bon, en tout cas, on va acheter une combinaison de protection. Comme ça sera fait. Momo, tu reviens ici! Ça suffit! Oui, je l'appelle Momo maintenant. Oh, ça y est! 1000 Simfuse, c'est bon, on l'a dans notre inventaire? Oh, trop bien, nickel. Profitez de votre toute nouvelle combinaison de protection incomplète. Je vous ai dit qu'il vous manquait un élément essentiel. Vous devriez poser des questions sur les spores à des scientifiques. Ils pourront peut-être vous fournir un genre de filtre à spores. Bah, c'est très simple, on va rentrer à la maison, on va appeler Romain. On va demander à Romain de nous aider. Ah, il est jaloux, Romain, j'avais oublié. Oui, c'est vrai qu'on avait appris un de ses traits de caractère à un moment qu'il était jaloux. Romain Robert, merci beaucoup. Oh, Romain Robert va arriver, très bien. Non, ça c'est Leslie. Ok, d'accord, c'est très normal. Tout est toujours très normal dans cette ville, hein. Mais si, je suis très net. Il est là, le voilà. Le voilà, le voilà. On va discuter avec lui quand même avant de lui poser des questions. On va. Je sais pas. Demander comment s'est passée la journée, tiens. Bah, la journée a commencé depuis pas très longtemps, hein, mais. Oh, il est enjôleur. Il est enjôleur. Mais pourquoi il est enjôleur? Non, mais dis donc un petit peu de sérieux, monsieur. Et puis, si tu viens pour Morgane, je te rappelle qu'il a déjà un petit ami. Hein. C'est même toi qui l'as félicité pour son nouveau petit ami, alors non. On va pas s'enthousiasmer à propos des vampires parce qu'on les aime pas, nous, les vampires. Enfin, moi, de base, j'aime les vampires, mais Morgane, il est un peu traumatisé par Vlad. Hein. Donc, voilà. Discuter des centres d'intérêt, ça pourrait être intéressant. Et après avoir discuté des centres d'intérêt, bah, on va demander de fabriquer le filtre à spores. Nécessite données sur le profil de l'infection. Découvrez-les grâce à l'analyseur chimique au laboratoire secret. Ah, il a fait un caca, colonel. Eh ben, on va le jeter. Ah, mais il y a des chaises ici, j'avais même pas vu. C'est pas moi qui les ai ajoutées en plus, elles étaient déjà là. Non, mais alors Romain, c'était venu là pour venir sur notre ordi, mais non en fait. Et nous, on va faire paramètres de sécurité de l'ordinateur, verrouiller l'ordinateur pour tout le monde, sauf Morgane. Putain, on va retourner au labo, hein. On va retourner au labo. Et bah, on va voir si c'est fini ce bug-là. Vous savez qu'on pouvait pas, on pouvait pas voir ce qu'il y avait. Dans le laboratoire, je sais pas exactement pourquoi. Ah, peut-être qu'il faut aller! Ah, mais je suis débile! Ah! Oh, bah pourquoi? Ah! Mais d'accord, il faut utiliser la carte d'accès à chaque fois qu'on y va! Mais c'est pour ça qu'on pouvait pas voir ce qu'il y avait! Bon, en tout cas, on a notre combinaison, du coup, il va falloir qu'on utilise, vous savez, les petites machines qu'on avait vues la dernière fois. Il va falloir qu'on les utilise. Ah! Ah! Ça y est! Ah, mais oui! Mais j'avais pas. En fait, j'avais pas réalisé qu'il fallait réouvrir, bah oui, évidemment! Bon, colonel, tu viens avec nous. T'inquiète pas, colonel. Avec nous, tu es en sécurité. Bon, tu as beau être là dans le sous-sol, mais au moins t'es plus en sécurité avec nous que tout seul dehors au milieu des plantes. Hein. Alors, oui, c'est ça. Ah, voilà, regardez, c'est ça qu'il faut utiliser. Magnifique. Rassembler des données. Vous savez, on va aller ici. Et à chaque fois, on va demander au chien de nous suivre. Oh, mais il nous suit automatiquement, c'est trop mignon. Bah, je lui ai demandé de venir, mais il nous suit tout seul. Il est trop mignon, ce chien. Alors, rassembler des données sur le profil de l'infection. Et il faut faire ça une fois, vous pensez? Ou faut le faire plusieurs fois? Je sais pas. Encore une fois, moi j'ai jamais fait, hein, donc. Même s'il y a mon frère qui l'a fait, il m'a juste donné quelques tuyaux, mais pas vraiment. Il m'a rien spoilé, il m'a rien dit que je savais déjà, quoi. Pour une fois, il a été gentil à ce niveau-là. Il a pas fait le chieur. Parce que oui, mon frère, enfin, le plus jeune de mes frères en tout cas, c'est un peu un bâtard avec ça. Hein. Oh là là, c'est trop stylé! Oh, dis donc, c'est un petit peu long. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Il est pas bien ici, hein. Ouais, t'as raison, hein. Ah, peut-être qu'il a envie d'aller faire ses besoins. Mais tu sais aller... Mais tu sais que tu peux faire caca dans le laboratoire, hein. Nous, on l'emmerde, cette plante mère, hein. Vas-y, fais caca dans le laboratoire, colonel. Oh là là, ça se trouve, ça va la mettre trop vénère, la mère, là, tu sais. Elle va nous posséder, et elle nous laissera plus jamais. Elle nous dépossédera plus jamais. Alors, pour passer la pièce toxique, certes, il a besoin d'une combinaison de protection, mais par contre, pour faire des recherches, là, comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Pour rassembler des données sur le profil de l'infection, il peut même pas... Il a même pas besoin de faire des... Enfin, de mettre une combinaison spéciale, c'est un peu dangereux de faire ça. L'analyse minutieuse de l'amas de spores effectuée par Morgane a été fructueuse. Apporter ces données sur le profil de l'infection à un scientifique de Strangerville, bah voilà, parfait. Un scientifique... Pour voir s'il a des informations utiles. Ok, d'accord. On rentre encore à la maison, on appelle directement Robert ici. Peut-être qu'on va appeler Robert ici, hein. On va peut-être faire ça, ouais. Oh, mais j'avais pas vu que c'était entre des murs, ça. Oh, mais j'avais pas vu en mur plein que ça faisait comme ça, c'est hyper stylé. Et tu appelleras le chien, bien évidemment, pour qu'il te suive. Punaise, vous vous rendez compte qu'une fois qu'on aura demandé à Robert de nous fabriquer notre truc et qu'on pourra assembler et mettre la protection, on pourra descendre. Hop,
là, colonel, tu peux nous rejoindre vite? J'ai pas envie que tu restes tout seul, tu viens vite avec nous. Bah écoutez, on peut pas faire en sorte que le chien et le Sims se déplacent en même temps. Du coup, bah je suis obligée d'attendre que Morgane y soit à tel endroit pour l'appeler, quoi. Ouais, en gros, ce qu'on devra faire une fois qu'on aura la combi, c'est aller dans cette pièce, utiliser la carte d'accès ici. Et oh là 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 là, descendre tout en bas. Oh, ça va être un truc de fou. Alors, est-ce que si on appelle Robert ici... Enfin, Romain. Non, pourquoi je l'appelle Robert? Robert, c'est son nom de famille. Invité à venir sur le... Après tout, c'est ton lieu de travail ici, hein. T'es un peu censé être là, hein. C'est vrai que le laboratoire est déserté, il me semble. Ils doivent tous être passés en télétravail maintenant, hein. Bon, c'est pas le coronavirus, c'est l'infection des plantes, hein. Mais pareil, le télétravail, il faut éviter que les scientifiques s'exposent au laboratoire ici. Parler du tour nuageux, on pourrait faire ça, hein, pour entamer doucement la conversation. Et après, on va quand même lui demander de fabriquer ce filtre à spores. Ah, Morgane a faim. Données sur le profil de l'infection. Alors, est-ce que tu peux nous aider, Romain, avec ce qu'on a trouvé? Oh! Waouh, vous avez réussi. Laissez-moi analyser ces données sur le profil de l'infection et je vous enverrai bientôt un filtre à spores par courrier. Ah, continuez vos recherches et vous trouverez peut-être un vaccin pour cette infection, finalement. Ah, il va falloir attendre. Ah, bah c'est bien, ça nous évite que tout aille trop vite. Ah, c'est bien, ils font quand même en sorte que ça aille pas trop vite, même si ça reste relativement rapide à faire. Bah moi qui étale ça sur plusieurs semaines, on va lui redemander comment s'est passée la journée, parce que bon, il est quand même passé plusieurs heures depuis qu'on ne s'est pas vu. Ah, Morgane devait aller prendre son filtre à spores a été livré dans sa boîte aux lettres. Ah, bah déjà, bah dis donc, merci beaucoup, hein. Attendez, qu'est-ce qu'on peut... On va essayer de le... Non, on peut pas le complimenter parce qu'on est mal à l'aise. J'aimerais bien qu'on le complimente, qu'on lui dise merci, ou je sais pas, qu'on fasse quelque chose, quoi. Après, on rentre... Ah, en fait, c'est rapide. On rentre et puis on va prendre notre courrier, voilà. Franchement, Romain, mon cher, vous nous aidez énormément, merci beaucoup. Oh, mais il n'y a pas de quoi, Morgane, c'est tout à fait normal, voyons. Après tout, vous êtes le seul à pouvoir résoudre ce mystère de Strangerville. Eh bah, dis donc, on a déjà une bonne... Un rancard. Ah, mais oui, venez, on fait ça. Venez, on fait ça. On fait ça direct. On va juste aller à notre petit rancard. Ah, bah, on aura un petit événement sympa, quand même. C'est cool, c'est génial. On a un petit rancard avec Marc. Bon, le chien, on va peut-être lui demander de rentrer à la maison, quand même, hein. Ah. Industriel. L'industrie tourne à plein régime. Bah, tu m'étonnes. Connaissance. Est-ce qu'on connaît tous ces traits de caractère? Peut-être pas, hein. On va les discuter. Oh. Air immonde. Mais l'industrie est en plein essor. Bah oui, bah ça c'est sûrement à cause de... Ah oui, oula. Ah mais non, attends, le wagon c'est où ça? C'est à Evergreen Harbor? On est dans quelle ville? J'ai cru qu'on était à Strangerville. Le wagon, j'étais persuadée que c'était à Strangerville. Alors, tu nous apprends quelque chose de nouveau sur toi, mon petit? Oh. Ah, mais on est à Evergreen Harbor! Ah, mais d'accord! Ah, mais oui, on est à Evergreen Harbor, c'est pour ça que c'est industriel dégueulasse comme ça. S'asseoir ensemble. Oh, on pourrait peut-être aller se mettre ici, remarque. On va aller s'asseoir ici tous les deux. Regardez, il y a plus d'animation, il y a plus de gens, c'est quand même plus sympa, hein. Oh, il est coincé dans le banc, notre petit Marc, le pauvre! Oh, regardez ici, un poêle. Enfin, un poêle, une cheminée, quoi. Mais moi, j'appelle ça un poêle parce que bon. Morgane! Mais où est-ce qu'il va? Mais tu vas où? Mais bon, on n'est pas si morose que ça. Regarde, on a quand même, on est quand même un génie. Demandez en mariage! Oh, venez, on fait ça! Venez, on le demande en mariage. Bon, faudra agrandir la maison et j'ai un peu la flemme, mais Morgane, il vit tout seul. Il n'a pas prévu de vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec son chien. Oh, oh, regardez-les, ils sont trop mignons. Ce rancard est de mieux en mieux. Ah, bah oui, hein, à ça. Chercher des sensations. Non, venez, on fait ça. Venez, on va faire crac-crac dans la poubelle. Alors, les garçons? Ah voilà, maintenant il nous ressemble beaucoup moins, il a clairement plus du tout la même couleur de peau. Oh merde, Morgane a envie de faire pipi. Bon, on ira faire pipi après, d'aller faire crac-crac, c'est pas grave. Ah oui, c'est pour ça que je me disais, il n'y a plus de météo étrange, mais c'est parce qu'on est à Evergreen Harbor, en effet. C'est pas leur première fois, on se souvient que... Oh, il y a un rat. On se souvient que aussi, il l'avait fait dans la douche. À leur dernier rancard, entre guillemets, c'était pas vraiment un rancard, mais voilà. Là, c'est leur deuxième fois. Après la douche, voici la poubelle. Oh, c'est dégueulasse, hein. Ouh, alors les garçons, c'est comment là-dedans? C'est dégueulasse, non? Wow. Oh. Vous savez quoi? Dès qu'ils sont sortis de la poubelle, je vais quand même faire rendre heureux sur Morgane. Oh, c'est trop mignon, regardez-les. Ah, bah voilà, c'est super. Illumine la journée. Bah oui, maintenant qu'il est heureux. Ça l'a rendu ça l'a rendu content de faire crac-crac dans une poubelle avec son dulciné. Oh, ils sont trop mignons. Mais pourquoi il est venu là, notre chien? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, colonel? Mais je l'avais envoyé à la maison, ça se trouve, il est jamais parti, t'imagines? Oh, c'est tellement agréable d'être avec quelqu'un avec qui je peux parler pendant des heures. Oh,
trop bien! Ils ont sentiment! Connexion profonde! Morgane a un lien puissant avec Marc qui est une source de force et de réconfort. Oh, c'est trop chou! Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je crois que Morgane, lui, il est pas bien prêt. Mais il va le faire quand même. Parce qu'il l'aime beaucoup, son Marc. Il est fou, fou amoureux de lui. Regardez-moi ça! Cette demande en mariage devant la poubelle! Avec le chien! Dans une ville ultra polluée! Ça y est! Oh, c'était trop mignon! Ça y est! Morgane vient de se fiancer avec Marc! Youhou! Oh, trop mignon! Bah écoutez, cet épisode a très très mal commencé, mais j'ai passé un fantastique moment! On se revient. Il y a une fête géniale sur les falaises, mais venez, on y va en fait! Eh bah, tu sais quoi? On va y aller directement avec Marc, avec Romain et avec Leslie. Oh là là, mais il se passe plein de trucs dans cet épisode! C'est pas forcément des trucs en rapport avec Strangerville, vous voyez, mais Oh, trop bien! Wow! Oh, regardez-moi ce paysage! Non, ça surtout, les ruines! Oh, c'est génial! Oh, c'est trop beau, sérieux, c'est génial! Ouais, le chat. Le chien, pardon, le chien est encore avec nous. C'est pas bien grave, hein. Morgane a acquis la compétence danse, ok. Regardez comment c'est sympa! Ah oui, c'est vrai qu'on avait pris Leslie et tout. Et Bess, bah, qui nous a invités, forcément. Oh! Oh, trop bien, regardez-moi ça. Colonel s'est fait asperger par une moufette. Oh non, Colonel! Oh! Il est en train de nous draguer? Oh! Allez, on demande au chien de venir. Oh, regardez-moi ça. Oh! Mais Grace, c'est la jeteuse de sorts. Mais oh, mais regardez tous les mages qu'il y a! Mais il y a 3 mages au moins! Oh là là, c'est trop bien! Oh, c'est hyper stylé! Très enjôleur. Beats du cœur. Émotion du public influencée par le DJ. Cette musique met vos Sims d'humeur amoureuse. La glace commence à se briser et les cœurs s'emballent. Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Embrasser? Embrasser? Faire un câlin? Quoi? Mais d'où il peut embrasser le chien? Mais c'est glauque! Non mais embrasser dans quel sens? Waouh! Wow, c'est trop bien! Oh, c'est trop sympa, regardez, quand tu fais nuit comme ça! Bon, on entend moins la musique quand on est en mode table, mais c'est pas grave. Wow, oh, il est très confiant, notre petit Marc. Oh là là! Ah, il nous a mis d'humeur confiante. Ok, nous c'est parce qu'on a plein de moodlets qui nous rendent enjôleurs, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Oh, mais il y a un bar! Mais c'est génial! J'avais pas vu qu'il y avait un bar. Oh, mais elle est toute seule! Mais viens danser avec nous! Présentation amicale. Moira, mais danse avec nous, voyons! Reste pas toute seule! Après, t'as peut-être envie de t'isoler, hein! C'est comme tu préfères! Voilà! Mais nous, on est contents, on fait connaissance un peu. Ah, il nous a remis d'humeur enjôleuse! Oh, est-ce que vous pensez que si on essaie d'embrasser quelqu'un d'autre, ça le rend jaloux, Marc? Je sais pas, je vais quand même éviter, hein. Le chien, le pauvre, il est super fatigué. Qu'est-ce que c'est que ça? Content. Ah, c'est un poirier, mais il a pas encore poussé, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien qu'on aille faire crac-crac avec Marc. Ce serait rigolo. On aura fait crac-crac 2 fois aujourd'hui, hein. Youhou! Regardez-moi toute cette ambiance. Oh, ça, c'est le moment parfait pour faire crac-crac. Morgane! Mais demande à Marc! Alors, après, on ira voir Colonel. On ira voir ce qui va pas. Regardez! Ils vont faire ça dans le buisson. You. Oh. Mais si c'est pas super mignon. Regardez, là-bas, il y a la fête et tout. Il y a notre chien ici. T'inquiète, Colonel. On vient te voir juste après. Faire un câlin. Mais oui. Mais oui. Mais où est-ce qu'il va? Il rentre à la... Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas s'il est en train de se... Je sais pas ce qu'il est en train de faire dans les buissons. En tout cas, eux, voilà, hein, ils sont bien contents, hein, tous les deux dans le buisson. Colonel a vaincu un écureuil sauvage lors d'un combat à patte nue. Oh, bravo, Colonel! Il est en train de se bagarrer, en effet. Wouh! Allez, bah, Marc, il retourne danser un moment. C'est bien. Allez, quand on rentre à la maison, on va te laver, hein, parce que t'es dégoûtant. Franchement, Colonel, recevoir de l'amour, gagner des points de satisfaction en vous occupant de votre animal, c'est trop bien! Oh, c'est trop mignon! Oh, regardez-les! Oh, c'est trop chou! Ah, c'est beaucoup trop mignon! Pourquoi il part par là? Bon, d'accord, il fait pas ce qu'on lui demande, il préfère aller se bagarrer
colonel s'est fait mordre par un écureuil. Les morsures d'écureuil peuvent transmettre des maladies. Oh non. Alors surveillez de près votre ami à quatre pattes. Oh non, je veux pas qu'il soit malade. Bon, après, on a l'argent pour le soigner, mais le pauvre, quoi. Mais après, colonel, je t'ai demandé de rentrer à la maison. Mais putain, mais il veut aller... Mais il passe son temps à se bagarrer. Oh non. Non, Morgane, non, il manquait plus que ça. Il manquait plus qu'il devienne possédé en plein milieu de la soirée. Est-ce qu'il peut planter une plante? Venez, on va planter une plante à Windenburg. On reviendra ici quand on aura fini le mystère pour voir si elle a poussé. On est devenu possédé en plein milieu de la soirée. C'est une blague, on va passer cet épisode à être possédé ou quoi? Ah, on peut rien faire, on peut pas l'arroser ou quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Discuter avec Bess? Parler de plantes? Et tu sais, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il a? Il est trop bizarre. Et lui va lui dire, oh mais c'est normal, il est possédé, ça lui arrive des fois. Colonel, oh mais colonel, mais putain, je lui ai déjà dit d'arrêter. Il manquait plus que ça, franchement, il manquait plus que Morgane devienne possédé en plein milieu de la soirée. Ça lui fait plus rien, hein. La soirée, la danse, tout ça. Putain, c'est puissant, hein. Ah, cette salope de mère, elle est puissante, hein. Putain, mais regardez, pendant 3 heures et tout. Oh non, Diego, il danse tout seul. Est-ce qu'on peut au moins venir... on peut même pas venir commander à boire, mais c'est une blague. Bienvenue à Strangerville, oh, venez, on fait ça. On n'est même pas à Strangerville ici, mais c'est drôle. Regardez, il va se demander, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou furieux, là? Il se dit, mais c'est un magicien, mais regardez-moi-le, il est trop bizarre. Morgane, mais t'es pas nette. Mais t'es pas nette, non? Oh là là, bon bah écoutez, c'était trop bien la soirée, hein. C'était super, mais bon, pauvre Morgane, il a été possédé, quoi. Possédé en plein milieu de la soirée. Bon bah voilà, c'est terminé. Oh, mais Leslie aussi! Mais putain, en fait, on est devenu possédé en même temps, mais regardez, Leslie aussi, elle est devenue possédée. Ça leur paraît pas plus bizarre que ça aux gens, il y en a toujours certains qui restent pour danser. Oh non, Marc! Marc aussi, non! On a contaminé notre petite amie, c'est trop triste! Oh non! Oh non! Erré? Non, Morgane! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais il est dingue! Mais t'es pas nette! Mais t'es pas nette! Mais! Momo! Non mais Morgane, ça va pas bien! Mais t'es pas nette! Mais tu n'es pas nette! Mais Momo, arrête tout de suite! Mais Momo, là, regardez, on dirait vraiment Momo, là! Mais arrête de faire ça! Mais regardez comment il court! Mais arrête de faire ça tout de suite! Mais Morgane, ça suffit? Mais j'arrive même plus à le suivre! Non, 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 mais arrête! Oh, qu'est-ce qu'il a? Je suis sûr, il est malade. Non, 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 mais arrête, 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 Momo. Rentre à la maison! Rentre à la maison! Bon, bah, une fois qu'on arrêtera d'être possédé, il faudra qu'on récupère notre filtre à sport. Et putain, et qu'on emmène Colonel à l'hôpital. Enfin, à la clinique vétérinaire, quoi, t'as compris. Non, Momo, non, mais arrête. Mais pourquoi là, il marche? Ah non, mais il court aussi. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais arrête! Morgane, arrête immédiatement! Mais arrête! Ah, pourquoi il peut pas planter une plante bizarre? Vous devez attendre avant de répandre plus de plantes bizarres. Ah oui, parce qu'il en a déjà planté une tout à l'heure dans les ruines de Windenburg. Oh là là, mais ça fait 2 fois qu'il est possédé dans le même épisode, là, ça va pas du tout. Momo, arrête! Ah, il faut vraiment qu'on récupère notre courrier, regardez, là, dans 5 minutes, c'est bon. Pouf! Prendre le courrier, non, prendre le courrier surtout. Morgane a pris tout le courrier. Oh, parfait, filtre à sport, génial. Alors, colonel, il est où? Colonel. Oh, mais dors pas ici. Venez, on va laver le chien. On t'emmènera chez le vétérinaire juste après. Ah oui, en gros, ouais, il manquait le casque. Ok. Allez, chien. Regardez, si c'est pas trop mignon. Il est en train de laver son chien. Oh, t'inquiète pas, colonel. Juste après, on assemble notre combinaison de sport et on t'emmène chez le véto. Prêt? Nous, pendant ce temps, on va faire associer à une combinaison de protection. Tada! Attendez, on ne la voit pas ici. Voilà! Wow, c'est trop stylé! Alors, Brindleton Bay. Voilà, go à la clinique. Pourquoi il y a une star mondiale ici? Oh, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez le vétérinaire. Alors, inscrire colonel, non pas pour une castration. Pas spécialement, hein. Tant qu'il va pas fricoter avec les femelles. On va surtout l'inscrire. Voilà. Mais pourquoi le vétérinaire s'est endormi? Mais c'est quoi ce vétérinaire de merde? Un vétérinaire arrivera bientôt pour examiner votre animal, c'est ça? Ouais, votre animal malade, merci de bien vouloir patienter.
C'est qui va... Ah oui, c'est vrai que des fois, les vétérinaires, ils sont un peu incompétents, hein. Genre, ils font n'importe quoi. Ah! Est-ce que c'est elle qui va s'occuper de notre petit chien? Vu que lui, cette grosse merde, là, il est en train de dormir. Ah! Oui, regardez. Eh bien, Adia, tu es beaucoup plus douée que ton collègue... Mais putain, je sais pas comment on prononce ces noms, c'est pas croyable. Nous, on va aller s'asseoir ici, en attendant que notre petit colonel se fasse soigner. Allez, yes! Apparemment, colonel souffre de fièvre de la griffure d'écureuil. Bah oui, évidemment, il s'est fait mordre par un écureuil. Quel type de traitement? On va prendre le traitement coûteux. On va lui faire un câlin. On va lui faire un gros câlin à notre gentil chien. Oh, qu'est-ce qu'il nous apporte du réconfort. On l'aime, ce chien, quand même. Oh, ils sont trop mignons. Félicité, on va le féliciter. Il a été très courageux avec le vétérinaire. Et maintenant, il est guéri. Voilà. C'est bien, t'as été très courageux, colonel. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, avec son petit Rottweiler. Ah, j'aime trop, c'est trop mignon. Oh, douceur animale, fait des câlins à des chiens. Faire des câlins à des animaux est assez thérapeutique. C'est peut-être grâce à leur visage plein de fourrure toute douce. Regardez-les comme ils s'amusent comme des petits enfants, là. Oh. Oh là là, il saute partout, le chien. Ce gros chien qui fait des petits bonds comme si c'était un petit chihuahua, c'est tellement mignon. Alors, bah écoute-toi, Morgane. Pendant que ton chien est en train de manger, tu vas y aller, seul, à ce fichu laboratoire. Maintenant, c'est entre la plante mère et nous. Ah, je suis tellement contente de faire cette nouvelle vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point... Là, je vais avoir deux semaines, dans les deux semaines suivantes, je vais être assez chargée, vu que ça va être... Je vais avoir plein d'examens à rendre et tout ça, enfin de DM en gros à rendre pour la fac et, tout, et compagnie. Mais je trouve toujours des moyens pour me détendre et tout, voilà. Hein. Ok. C'est toujours ouvert? Non, on utilise notre carte d'accès, parfait. Oh là là, non mais elles sont... Il y en a qui sont plus grosses. Il y en a qui ont plus grandi que les autres, on est d'accord? Oh là là, là 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 là, mais regardez-moi ça! Portez la combinaison. Hop là! Oh là là, mais regardez-le comme il est magnifique! Oh non! Morgane! Regardez-la! Dans sa combinaison, incroyable! Dans la partie la plus souterraine du laboratoire secret. Ok, on y va? Oh putain, j'ai hâte. Allez, bah on y va. On y va. On y va, on y va. Ah oui, en effet, on a un petit panneau comme quoi il faut porter notre combi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Putain, j'ai peur. Est-ce que c'est en bas qu'il y a la plante mère? Ou elle est encore en dessous, peut-être? Ah, j'ai peur. Ah non, il y a encore un étage. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est pas rassurant du tout, hein. Ah, ça doit être encore une... Ouh là là ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là là ! Bon, c'est pas ça, la plante mère, hein. Ça, c'est des trucs au mur. Ah ! Ah, ça bouge ! Ah ! Oh ! What ! Regardez-moi ces trucs ! Mais Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là! Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est... Mais en plus, ils... Mais Morgane, comment tu peux te sentir en sécurité dans un endroit pareil? J'ai entendu parler de tes fiançailles. Oh, c'est trop mignon! Bon, au moins, il nous appelle, il nous dit quelque chose de rassurant, voilà. Mais il est pas tendu ou quelque chose... Non, non, il est super content d'être là. Mais est-ce que techniquement, on peut... On peut aller là en bas. Et donc en gros ici, il y a des putains de trucs. Ouh, punaise. Non, il y avait rien, il y avait rien. J'ai rien vu, tout va bien. Eh ben écoutez les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. On va demander à Morgane de rentrer à la maison. Et nous, c'est sur ces notes incroyablement... mystérieuse, voilà, pleine de suspense, le mystère de Stranger Deal, c'est le cas de le dire, que nous allons nous laisser. En fait, j'essaye de le suivre en même temps, mais je n'y arrive pas. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, et moi je vous dis à la prochaine !